Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voulais examiner quelques petites choses avec vous. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis levé, j'étais en train de réfléchir. Je dis, mais aujourd'hui, il y a quelque temps, Dieu a mis sur le cœur de Frère Franck, lui a dit de nous faire écouter cet message portant sur les services de guérison. C'est étonnant que nous tous on a écouté et on a pensé seulement que c'est pour qu'on puisse voir que le message que nous avons reçu est de Dieu. C'est ça, non? Mais c'est pas ça. Comme je ne vous ai pas entendu, le message que nous avons reçu là, il est vraiment de Dieu. Dieu l'a confirmé par des signes, par des prodiges, par des guérisons, par des miracles. Et puis après ça, ça s'est arrêté là. Si. Mais c'est pas arrêté là. Et mais c'est pas arrêté là. Quelle est la suite qu'on a donnée? Hein? Il n'y a pas de suite. Donc j'ai dit, si on s'est arrêté là, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas de suite. Alors j'ai envie de réfléchir. J'ai regardé Malachie 4. Élie est venu. Élie a annoncé tout ce qu'il doit annoncer. Comme on peut le lire dans Matthieu 17, dans Marc 9. Pour rétablir tout ce qui avait été détruit, tout ce qui avait été annulé, toutes choses, pour parler comme ça, a été mise sur le chandelier. Élie a fini, Élie est parti. C'est vrai. Donc tout ce qu'Élie devait rétablir a été rétabli. Puisque dans Matthieu 7, 17, quand le Seigneur descendait de la montagne, de la transfiguration, et que les disciples ont posé la question, il parlait puis il dit, mais attends, tu parles déjà du départ du Fils de l'homme. Mais on nous a appris que Élie devait venir premièrement. Avant que ce que tu dis là ne s'accomplisse. Mais oui, Élie est venu. Il vient premièrement. Il va rétablir toutes choses. Et dans Marc, c'était tellement plus précis à mon sens que j'étais en train de regarder. Dans Marc, il a répondu, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Il viendra premièrement. Il va être touché avant que sa venue vienne. Avant que la deuxième venue ne vienne, Élie viendra pour rétablir toutes choses. Mais Élie est venu, il a tout rétabli. Et dans Malachie, quand il a dit que pour ce qui concerne la fin des temps, la foi des croyants de la fin des temps doit retourner à la foi de leur père, donc le père apostolique. C'est ça, non? C'est ça, non? Amen. Dites-moi où est votre foi par rapport aux apôtres. Situez-moi votre foi par rapport aux apôtres. Parce que ce message doit nous apporter, doit nous ramener à la foi des apôtres. Amen. À ce qu'ont vécu les apôtres. À ce qui est passé en leur temps. Où est ça au milieu de nous? Je pose la question à chacun de nous. Je pose cette question à tous les prédicateurs de ce message. Frère, le temps est venu de ne pas rester seulement sur les verbes. Vous avez écrit Amen, c'est beau? Vous avez écrit Amen, non? C'est beau. Mais où est le résultat après? Ça vous amène où? C'est vrai, c'est ainsi soit-il. Amen, mais bien, si soit-il, c'est vrai. Qu'il en soit ainsi. Mais vous et nous, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit, ma prédication ne repose pas sur la sagesse du langage. Mais sur la démonstration
de la puissance de Dieu. Afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Votre foi est fondée sur quoi? Sur les lettres. Mais où est le fruit? Je te pose la question, où est le fruit? Dans ta vie, où est le fruit? À toi. Où est le fruit? Le fruit est là? Votre foi est fondée sur quoi? Ce matin, je pose la question. Votre foi est fondée sur quoi? Il y a tellement de maladies au milieu de nous. Notre foi est fondée sur quoi? Il y a tellement de problèmes. Votre foi est fondée sur quoi? Répondez-moi ce matin. Élie est venu, il est parti. Il n'a pas manqué de faire tout. On nous montre que dans la vie d'Élie, voilà ce qui est passé. Vous allez me dire qu'au temps des apôtres, les miracles étaient avant pour les apôtres? Dites-le moi. Et je vais vous répondre par les Écritures. Je parle non pas à vous qui êtes là seulement. Je parle à tous ceux qui écouteront, qui disent son message. Nous ne sommes pas à la fin. Les 2000 ans sont certainement finis. Le Seigneur va venir. On va aller chaque fois, on va à la maison, puis on vient se réunir. On va venir se réunir. Et puis là, le moment passé, je me pose la question ce matin. Où est le fruit de notre foi, frère? Jacques pouvait dire, montre-moi les œuvres de ta foi. La foi sans les œuvres n'est pas une foi. Où est le fruit de notre foi? Est-ce que c'était pour les apôtres seulement? Frère, Dieu n'a pas envoyé un prophète au deuxième âge, au troisième âge, au quatrième âge, au cinquième âge, au sixième, au septième âge, qui clôt tout. Dieu a envoyé un prophète. Pour que tout ce qui doit être révélé soit révélé. Pour que tout ce qui a été démoli soit rétabli. C'est fait. Et le résultat dans votre vie, il doit avoir un résultat. Ce n'est pas ça, hein? On n'a pas encore commencé l'application. Hein? Ça, c'est une introduction à l'application. Où est le résultat? Ce matin, il dit à ma femme que je suis un peu fatigué. J'appelle le frère Jean-Baptiste pour lui dire s'il pouvait tenir peut-être la réunion du soir et que moi, je vais arriver à parler pendant 40 minutes. Une heure. Elle dit, tu as prêté 45 minutes, toi? Tu parles de 45 minutes, une heure de temps, toi? Je dis, mais oui, je ne peux pas prêcher pendant 45 minutes, je peux prêcher pendant 45 minutes, non. Je l'ai déjà fait dans ma vie, je peux le faire. On peut faire ça dans 45 minutes, on peut le faire. Il est juste 10h17. Dans 30 minutes, on peut arrêter, non? Je veux un résultat. Il y a longtemps qu'on vous prêche. Alors il m'a dit, non frère, je suis à San Pedro. Je ne lui ai même pas dit, hein. Je lui ai dit, mais où tu es où? Tu as cité ici, non, je suis à San Pedro. Pour quelques papiers, j'y serai pendant 3-4 jours avant de venir. Il dit, ok. Il m'a dit, tu es cuit là. Tu vas tenir toi sur tes cultes. Bon. Donc j'ai dit, mais je fais 45 minutes ce matin. Je fais 45 minutes le soir. Et puis moi, ça fait 90 minutes, ça fait 1h30 de temps. Et puis on est tous contents. C'est ça, non? Ils ne sont pas contents. Vous n'êtes pas contents? Vous ne répondez pas. C'est trop lourd ce matin pour vous. Oui, ça doit être lourd, frère. Le temps est arrivé. Si l'enlèvement se passait cette nuit-là, vous serez où? Vous étiez dans le message pendant combien de temps? Et si l'enlèvement a lieu ce soir, vous serez où? Moi, je pose la question. Le rétablissement des choses a été fait. Où sont les temps de rafraîchissement, frère? Ne reste pas sec, stérile, oisif. C'est vrai. Vous avez chanté des beaux cantiques. Hein? C'est la main immuable de Dieu. C'est vrai. Est-ce que vous l'avez saisi? Mais où est le résultat? Ce matin, je regardais, je dis, mais on pense que ces choses qui ont été promises, l'apôtre Paul dit,
Votre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Et quand je regardais, je dis, mais Philippe n'était pas parmi les apôtres. Il n'était pas nommé apôtre, non. Les deux apôtres, non, c'est un diacre. Étienne, non, c'est un diacre. Et puis Philippe avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Et puis il y avait également, qui d'autre? Agabus, était apôtre? Non. Donc frère, où est le fruit de la foi que nous avons à travers le message de la fin des temps? Pour ne pas dire le temps de la fin. C'est la question que je pose. Hein. Je vais citer les Écritures. Marc 9, 11, Matthieu 17, 11, nous dit, Élie doit venir et rétablir toutes choses. Premièrement, les choses ont été rétablies. Nous sommes tous confiants et conscients que les choses ont été rétablies. Que des choses qui étaient restées en réserve ont été renouvelées, ont été aussi révélées. Frère, nous avons des grandes connaissances. Hein. Ce que beaucoup n'ont pas compris pendant des temps, à nous, ça a été révélé. On connaît la semence du serpent. Oh là là, si on demande à un frère de commencer à expliquer la semence du serpent à un religieux, il va lui montrer par toutes les écritures que ce n'est pas dans le jardin d'Éden là, ce n'est pas une pomme, ce n'est pas une poire, ce n'est pas une prune qu'on a mangée, c'est un acte sexuel. Et les gens sont allés chercher le lien entre l'homme et les animaux. Non, ce lien a disparu parce que le serpent était maudit et que maintenant il n'est plus, il ne marche plus ses deux pieds. Il est devenu un reptile. Voilà. Qu'on va passer tout le temps le chercher, on ne le trouvera pas. Parce qu'il n'existe plus. Ça m'a le démontré. Mais si on nous envoie un mort ici, après avoir démontré ça, on fait quoi? C'est ça la fin des temps, frère. Le temps de la fin, là, c'est ça. À notre temps, là, notre foi doit être fondée sur la sagesse du langage. Votre vie doit être fondée sur de la papierasserie, sur n'importe quoi d'autre. Elle doit être fondée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est le miracle. Oui. La vie des apôtres était la vie des miracles. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? La vie du messager est une vie de miracles. Frère, il y a une chose. Si nous restons sur la lettre, nous serons comme beaucoup de personnes qui ont marché avec Frère Branham de son vivant et qui après sa mort ont disparu. Nous serons comme beaucoup de personnes qui passent le temps à crier ici le message, le Seigneur fidèle prudent, on va passer le temps à crier comme ça jusqu'à ce que le matin on se lève, on dit l'enlèvement a eu lieu. On sait comment tout marche. Ce matin, je vous pose la question. Où est le fruit de notre foi? Alors qu'on ne peut pas répondre, je vais vous amener encore dans nos séances de jeûne pour prier pour tous les malades. Pour que les malades au milieu de nous soient guéris. Parce que je ne supporte pas qu'il y ait des malades au milieu de nous. On va encore rentrer dans une séance de consécration. Nous allons consacrer notre vie à Dieu. Pour que tous les malades, Dieu fasse grâce et les guérisse. Oui, c'est vrai, frère. Il y a trop de cas. Là-bas, il y a un malade qui est là. Voilà un autre malade. Voilà un autre qui est là-bas. Où est Franck? Franck, monsieur de l'autre côté? Joseph Allou est là-bas. La sœur Odier Chantal, à qui on apporte là, est là-bas. Vous dormez? Vous venez chanter, vous partez, vous dormez. Le temps n'est pas au sommeil. Hein.
L'autel à la consécration. Le message là, c'est une vie de consécration. Ce n'est pas chanter seulement et puis partir. Le temps arrivé, frère, où nous devons voir Dieu marcher au milieu de nous. C'est comme ça que ça se passe au temps des apôtres. Notre foi doit retourner à la foi des apôtres. Votre foi, ma foi, doit produire des fruits. On doit voir les fruits de notre foi. Ce n'est pas pour une seule personne, pas pour deux personnes, pas pour trois. C'est pour nous tous. La Bible dit, c'est un miracle à comparer à ceux qui auront cru. Sinon, frère, sachons qu'on n'a pas cru. Ça, c'est la preuve qu'on n'a pas cru. Si tu as cru, ce qui est écrit dans la Bible doit s'accomplir dans ta vie de tous les jours. Les quatre filles de Philippe, vierges, prophétisaient. Vous voulez que je vous le lise, c'est dans Acte 28. Hein. Je vais vous le lire. Prenez Acte 21, verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des sept. Sept quoi? L'un des sept quoi? Les sept diacres qu'on a appris pour s'occuper de la table. Soit les gens pensent que ceux qui sont diacres, ils ne peuvent pas exercer le ministère, c'est faux. Ils peuvent exercer le ministère. Ils peuvent avoir une charge, mais aussi avoir un ministère. Voilà Philippe était, il exerçait sa charge. Vous voyez qu'il a quitté même Jérusalem. Hein? L'un des sept. Nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit : voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voilà. Frère, vous n'aimez pas ça quand vous êtes comme ça là, que ça arrive. Vous n'êtes pas comme ça? Si vous étiez là et puis ça arrive comme ça, vous n'êtes pas content? Même le pain qui arrive sera que Dieu aime le de vous. C'est pas vrai? L'apôtre Paul n'en a pas parlé. Il dit parler en langue, c'est une bonne chose. Mais ceux qui parlent en langue, qui l'interprète, qui lui donne une interprétation. Mais profitez davantage. Parce que si un pain arrive au milieu de vous, et que le secret de son cœur est révélé, il saura que Dieu est au milieu de vous. C'est vrai. Frères, nous sommes arrivés à un temps où notre réunion, notre assemblement, notre assemblée doit être conduit par le Saint-Esprit. Et cela doit être un souci permanent pour chacun de nous. Nous devons rester devant Dieu jusqu'à ce que ces choses-là deviennent réalité. Nous ne devons pas être une assemblée morte. Où il y a un seul homme, ou deux hommes, ou trois hommes qui font l'animation. Nos frères, vous devez rester, avant de venir ça, frère, vous devez rester à genoux pour dire, Seigneur, on veut te voir au milieu de nous. Vous devez rester à genoux toute la nuit pour dire, on veut te voir, comment se rencontrer demain là. On veut te voir au milieu de nous. Faut que tu sois là. Que ce soit un homme qui conduise. Que ce soit toi qui conduis. On veut être certain que tu es là et que tu marches avec nous. Alors nous savons, comme Moïse a dit, si tu n'es pas avec nous, nous ne poursuivrons pas le chemin.
On ne connaît pas le chemin. Sois avec nous. Frère, regardez bien. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas montré en cette fin de temps? La colonne de feu qui accompagnait les Juifs dans le désert a accompagné ce message. Apporte la preuve que ce que Dieu a fait en cette fin de temps, c'est lui. On est content de voir la photo de Frère Branagh, la colonne de feu sur sa tête, sur son épaule. C'est bien, c'est beau. Mais lui, il est parti. C'était la preuve. Mais nous, n'avez pas vu, Josué n'avait pas la colonne avec lui, mais Josué a ordonné au soleil, à la lune de s'arrêter. Et les deux astres ont obéi. Les deux astres ont obéi. Il dit, mais mes ennemis là, si je les laisse, la nuit arrive, ils les laissent, ils vont se réorganiser et la bataille va être plus difficile. Maintenant même, soleil, stop. La lune, reste là où tu es. Vous ne bougez pas. Les scientifiques allaient dire, mais si la lune, le soleil s'arrête et que la terre continue de tourner, il va y avoir une catastrophe. C'est ça, non? Si la lune s'arrête, le soleil s'arrête et que la terre continue de tourner là, mais vous savez bien, il va y avoir une catastrophe, il va y avoir un changement complètement. Tout va tomber en chose. Mais Dieu a le miracle. Lui, il a le système en ses mains. Son serviteur a parlé. Le mécanisme là, Josué n'a pas ça. Hein? Le mécanisme de fonctionnement, Josué n'a pas le mécanisme de fonctionnement de la terre et de tout l'univers. Lui, il a parlé seulement au nom du Dieu qui les a créés. Il dit au Dieu qui les a créés là, comment tu vas faire là? Il faut le faire. Moi, je dois combattre ces ennemis jusqu'à la fin. Et le Dieu du ciel a entendu un homme prononcer une parole que lui-même il a accomplie. Et dans l'histoire, il est prouvé qu'il y a un jour qui est plus long que tous les autres jours. C'est ce jour-là. Où un homme a parlé à la nature et Dieu a exécuté. Frère, où est notre foi, nous? Le même Dieu, il y a moins de 100 ans. Moins de 100 ans. Si on prend 65 aujourd'hui, quand le serviteur de Dieu est parti, quand le frère est parti, ça va encore ça? On n'a pas 65. Hein? Il faut attendre 2025 pour avoir 100 ans. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, on aura 100 ans. À moins que je me trompe. C'est pas bien, c'est pas mal calculé. Mais où sommes-nous, nos frères? Même 100 ans. Frère, on ne fait pas attention à devenir pire que les religions, hein, que les méthodistes. Sauf pas t'en mettre pique les baptistes. Le temps est venu, frère, pour chacun de nous. Ne pas venir s'asseoir et partir, s'asseoir et partir. Ça ne suffit pas. Vous savez, la soeur Thérèse qui est venue, je ne sais pas qu'elle voulait rendre son témoin. Mais elle a son témoin à des soeurs, non? Quelles sont les soeurs qui ont donné le témoin de la soeur Thérèse qui est partie? Non, elle dit qu'elle a parlé à des soeurs. Voilà, la soeur. Oui. Judith, non? Et puis qui d'autre est avec toi? Comment? La soeur? Du Tosier aussi. Mais je ne la vois pas, elle n'est pas la main. Pourtant, elle s'est levée, elle s'est déplacée. Vous ne la connaissez pas. Moi-même, je ne la connaissais pas. Comme ça, parce que moi, je n'aime pas parler de ça souvent. Mais elle était en Suisse, elle ne connaissait personne ici. Elle ne connaissait personne ici. Et son cœur tel que, là où elle partait à l'église, là, elle a dénoué plus aller à l'église. Parce que ça ne lui convenait pas du tout. Elle demande au Seigneur, mais qu'est-ce où elle va aller à l'église? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi faire? Si elle savait qu'elle avait envie de parler de ça, je lui aurais laissé le temps de vous rendre son témoignage. Comment est-ce qu'elle est venue à vous? Comment est-ce qu'elle est venue à vous là? Pas comment elle est venue au message, hein? Comment est-ce qu'elle est venue à vous? Mais je vais en parler quand même. Plaise à qui veut.
C'est déjà fait en faire des commentaires, donc on fait des commentaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle priait, et puis une nuit elle dort. Elle se retrouve, c'est en 2021. Nous on est parti de l'autre côté, on est parti de là. Elle se retrouve là-bas. Mais là-bas j'étais assis devant la porte. J'étais assis devant la porte, j'étais assis comme ça. Tellement découragé de tout. Qu'elle est rentrée, elle a trouvé mes deux frères. Mais c'était un grand désordre, je parle de 2021. Je vous raconte ce qu'elle a dit. Et c'était un grand désordre. Et puis elle était surprise. Et la voix lui dit, sors. Voici mon serviteur qui est assis là-bas. Va à lui. Je ne vais pas dire les deux autres mots qui sont dessus, on va interpréter. Je vais aimer que ce soit elle-même qui dise. D'accord, vous dites ça? La voix lui dit, la préparation de l'époux repose sur son épaule. Ce n'est pas moi, hein, c'est elle. Elle ne me connaissait pas. Et puis elle rentre, en même temps en transe, elle vient, et ça lui dit, la préparation de l'époux se repose sur ton épaule, la préparation de l'époux sur ton épaule. Puis elle se réveille. Elle dit, mais je ne connais pas ce monsieur. Je n'ai pas son contact. Comment je vais pouvoir rentrer en contact avec lui? Mon nom ne figure nulle part. Elle fouille, et puis elle trouve deux sites. Abidjan et Akouré. À la convention des jeunes gens, des enfants. Le flyer est là, ils ont mis mon numéro dessus. Non, pas mon nom, ils ont mis le numéro de Yeboum, Moïse. Et puis elle prend le numéro comme ça, au hasard, elle appelle, c'est Moïse, elle l'attrape. Elle demande à Moïse, je vais parler à Frère Badi. Elle dit, non, c'est pas Frère Badi. Elle dit, c'est Frère Moïse. Elle dit, ah, pardon, est-ce qu'il peut avoir le numéro de Frère Badi? C'est ainsi qu'elle a écrit. Elle m'a appelé à mes pères, je répondais, et puis elle a écrit. Et puis je lui ai répondu. Et puis on a parlé ensemble, j'ai dit, à mon moment, Thierry, mets-la sur le site. Elle a voulu quitter l'Europe pour venir rester ici en Côte d'Ivoire, quoi qu'elle soit mariée et des enfants. Elle ne travaillait pas. Hein. Pour la vie éternelle, là, elle a voulu quitter sa maison pour venir s'asseoir ici. Frère, où sommes-nous avec notre foi? C'est une préoccupation pour moi. C'est une préoccupation parce que je veux que tout chacun de nous, là, nous fassions partie de ceux qui veulent t'enlever. Ça, c'est insupportable. Qu'ils ne soient pas ainsi. Beaucoup de frères Franck là, l'un de baptême, c'est avec qui il a eu le message. Hein. Beaucoup ne savaient pas que Frère Franck là, Baptiste qui était, il a eu le Saint-Esprit là-bas avant de venir au message. Lisez le témoin de Frère Franck. Ce que Dieu doit faire, il fait ça pour ceux qui doivent être enlevés. Il n'est pas question de s'asseoir à Frère Franck. Dit, frère, ça ne suffira pas. Franck a dit, oui, mais est ta vie en rapport avec ce qu'il a dit là, où est ta vie? En rapport avec ce qu'il a fait là, où est ta vie avec? Le temps n'est pas venu de sauter ici, de sauter là, de parler. Frère, arrêtons ça. Soyons conscients que nous sommes devant un défi énorme. Un défi très élevé. Celui d'être enlevé, ne pas rester ici. Celui de voir, frère. Arrêtons un instant d'abord. Frère Franck dit, Frère Branham dit, que le message contient tout ce qu'il faut pour qu'on soit enlevé. Tout ce qu'il faut pour que tu sois enlevé là, c'est dedans. Arrêtez-vous un instant. Posez votre vie sur les Écritures. Je l'ai toujours dit. Le temps est arrivé où notre écriture doit s'aligner sur la parole de Dieu. Et nous devons être une lettre écrite. Cela ne se fera pas si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous.
Parce que si l'Esprit de Dieu habite en nous, alors la parole de Dieu va habiter en nous. Laisse-moi lire Jean. Je reviens encore dans Jean. On est dans Jean 15. Je n'ai même pas touché à ce que je voulais parler. Peut-être même me promener avec vous comme ça, jusqu'à ce que je vais être l'heure, puis bon, on va s'arrêter. Et la première, on verra bien ce qu'il faut dire. Mais je trouve important ce dont nous parlons maintenant, je le trouve très important, frère. Verset 7, Jean 15, verset 7 et verset 8. Je vais lire le verset 9 aussi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Frère, vous voyez, est-ce que vous comprenez la condition pour obtenir ce que vous voudrez? Tout ce que vous voudrez, vous voyez la condition? Vous ne pouvez pas obtenir quoi que ce soit si cela n'est pas accompli. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous êtes un avec moi et que mes paroles... Frère, la parole d'un homme, c'est l'homme. Un homme ne vaut que par sa parole. Au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Frère, si la parole est Dieu et si Dieu habite en vous, vous pouvez demander à ce Dieu tout ce dont vous avez besoin, il vous le donnera. Il dit tout, hein. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va inspirer ce que je vais faire. Frère, je me suis arrêté pour dire, un moment, dit, vous savez, le frère, j'ai lu, le Seigneur ne fait rien sans la voix du fait au Père. Quand vous le lisez, il dit, je ne fais rien si ce n'est que ce que moi je vois faire au Père. Je ne dis rien si ce n'est que ce que le Père me dit de dire. Et nous l'avons vu dans la vie de Frère Branham, dans la pratique. Aussi, on va retourner au temps des apôtres. Il y a 2000 ans, c'est trop loin. Mais là, à peu près, il y a 100 ans, à peu près. Dieu nous a donné un homme. Dieu nous a envoyé un homme qui ne dit rien, qui ne fait rien. C'est ça que l'Institut du Seigneur a toujours accompagné. Je me trompe? Ce que. Mais pour aller prier pour un malade. Souvent, pour un malade, il attend qu'il y ait une vision. C'est faux. Cette femme allemande qui avait perdu son fils, qui a mis son fils là, à l'hôpital, son mari, elle a appelé pour que le frère Branham vienne prier pour son fils. Oh, c'était nous aujourd'hui là, on montait dans l'avion, on a la possibilité de prendre l'avion, on va aller pour revenir. Mais cet homme-là a attendu jusqu'à ce que Dieu lui dise ce qu'il doit faire. Quoi que soit prophète, frère, si on ne voyait pas, quoi qu'il soit prophète, il a dû attendre jusqu'à ce que le Dieu qui l'a envoyé là lui dise quoi faire. Réveillons-nous, frère. Réveillons-nous. Nous avons assez dormi, réveillons-nous. Si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Et ça vous sera donné. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Oh, où sont nos fruits? Ce sont les fruits que nous portons. D'amour, de paix, de joie, de longanimité, de bonté. Ce sont les fruits que nous portons. De patience, de douceur, de bienveillance. Ce sont les fruits, frère. Mais tous ces fruits sont les fruits de l'esprit. Oh là là. Est-ce que jusqu'à quand allons-nous réveiller pour savoir que le temps est venu pour que notre vie change? Toute notre vie doit changer. Comme l'a dit la fois dernière, quand tu marches, on sait que tu n'es pas la même personne. Ceux qui t'ont connu avant, quand tu marches, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce monsieur-là ou cette femme? Je poursuis. Le Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Frère, vous voyez, non? Mais j'ai mal lu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et, conjoncteur de condamnation, vous serez mes disciples.
Autrement, vous ne l'êtes pas encore. Autrement là, vous ne l'êtes pas encore. Quel que soit ce que vous allez dire, vous ne l'êtes pas encore. Aussi longtemps que ces fruits n'abondent pas, vous n'êtes pas encore ses disciples. Parce que vous ne glorifiez pas le Père. Si ma vie ne glorifie pas le Père, votre vie ne glorifie pas le Père, ne prétendons pas. Frère, arrêtons de dire « je suis au message ». Oh, j'ai le message du temps de la fin. Tu l'as où? Dans ta main? C'est une bonne chose. Mais on le veut dans ta vie. On le veut dans ton âme. On le veut dans ce que tu es. On le veut. On le veut. On veut le voir. On veut voir s'accomplir les promesses de Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et quand je sors de condamnation, vous serez mes disciples. Jusqu'à Zacchée serons-nous les disciples de Christ, frère. Jusqu'à Zacchée, allons-nous montrer que nous sommes disciples de Christ. Jusqu'à Zacchée, les gens verront que nous sommes disciples de Christ. Même en ne parlant pas, on a dit aux femmes, sans parole, parole qu'on dit chaste et réservée, vous devez gagner, vous pouvez gagner votre mari à vous. Mais comment cela se fera-t-il si celui qui est l'auteur de la vie n'est pas en vous? Celui qui peut vous donner d'être respectueux, chaste, réservé, tout, ce n'est pas en vous. Oh, quel beau jour de vaste. Oui, quel beau jour. Hein. Est-ce que ça là-bas? Quand nos cohortes vont déverser le fleuve, est-ce que toi tu es dans la cohorte? On a chanté ça tout à l'heure. Mais frère, remplissons les conditions pour être dans la cohorte. Le moment est venu. On chante. Hein. La fois, quelqu'un dit, il y a un chat qu'on ne peut pas chanter. Je vis d'une vie qui ne peut mourir. Mais tu ne peux pas chanter ça si la vie dont tu parles n'est pas en toi. Sinon, tu meurs. Pour ne pas que tu meurs là, cette vie-là doit être en toi, frère. Je vis d'une vie qui ne peut mourir. Mais cette vie qui ne peut mourir, il y a une seule vie qui ne peut mourir, c'est la vie de Dieu. Seule la vie de Dieu ne peut mourir. Toute autre vie meurt. Frère, vous savez, les gens ont chanté des expériences. Ils ont écrit ce qu'ils ont vécu, savent. Quand l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il parle de son expérience personnelle. Pour nous dire que si lui, Paul, ça lui est arrivé, ça peut nous arriver aussi. Est-ce que ça me fait bien comprendre? L'apôtre Paul a écrit pour dire à tous ceux qui l'ont reçu, cela doit être possible avec eux. Il doit pouvoir le dire. Il doit pouvoir le dire, frère. Et nous devons être capables de le dire nous aussi. Élie est venu. Le message a pour but de nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. La foi des apôtres, ce n'est pas une foi, excusez-moi, ce n'est pas juste du verbiage. Non. Oh, je fais partie de ceux des apôtres. Non, non, non. Les hommes d'Antioche, Antioche, c'est en Judée? Antioche, c'est en Judée? C'est en Samarie? Ah, d'accord. C'est les extrémités, comme on l'a dit. Antioche, c'est païen. Regardez une chose. À Jérusalem, on ne voyait pas tout le monde. Hein. On reconnaissait Pierre et Jean d'avoir marché avec Jésus. Tu me trompes? Tu me trompes, dites-moi. Hein. En Judée, à Jérusalem, on connaissait peut-être Jacques, on connaissait peut-être Jean, on connaissait pas comme Pierre. Ceux-là,
On dit que c'est des hommes du peuple. Mais on ne les reconnaissait pas avoir été à Jésus. Mais Antioche, ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Barnabas. Ce n'est pas Silas. On reconnaissait les croyants dans leur marche, dans leur vie. Vraiment différent de ce qu'on a vu d'eux auparavant. Au point où on leur a dit ça là. C'est des disciples de Christ. Leur vie, leur marche, leur témoignage a fait qu'on leur a dit ceux-là, ils sont disciples de Christ. C'est les chrétiens. Parce qu'un disciple fait comme son maître. Un disciple agit comme son maître. Il apprend de son maître et il exécute ce que son maître lui a appris. Sommes-nous disciples de Christ? Que Dieu te bénisse. Mais il faut me prouver demain que tu es disciple de Christ. Sommes-nous disciples de Christ? Si on sort d'ici, là, dans la rue, que ceux qui nous connaissent tous les jours là, ils vont voir que nous sommes vraiment disciples de Christ. Ça doit se faire, frère. Ne dis pas par la foi. Hein. Souvent, les gens disent, on est guéri par la foi. Oui, par la foi, tu es guéri, mais ça doit se manifester. La parole produit la vie de la parole dans ceux qui croient. Et ça doit se faire au milieu de nous. Dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos maris, dans nos femmes, dans nos enfants. Que Dieu nous fasse grâce. Le temps est arrivé où nous devons crier au Seigneur qu'il nous fasse grâce. Je poursuis avec Jean 15. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et vous, apprenez à demeurer dans mon amour. Dans l'amour que j'ai manifesté pour vous, demeurez là-dedans. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Gardons les commandements du Seigneur Jésus-Christ pour demeurer dans son amour afin que nous puissions porter les fruits qui glorifient le Père. Pourquoi nous sommes vraiment ses disciples? Qui comprend? Nous sommes au message, peut-être il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Je connais à moins d'un jour, même les parents qui ont été invités, les amis qui ont été invités, ont reçu la promesse du Père. On a été visités. Je vous ai dit, je parlerai beaucoup, non? Voilà. Je suis à 52. Mais peut-être 8 minutes pour faire une heure. Combien ça fait 30 minutes, non? Nakbana, quelle heure? 9h30. 9, ça 10h. Ça me fait une heure de temps. Et ça, c'est bon. J'ai tenu ma promesse. Hein? Je tiens ma promesse. Dans 8 minutes, il va être 11 heures. On va se lever. On va prier pour tout le reste du temps. On va consacrer le reste du temps à prier qu'à midi. On a une heure. Une heure pour prier. Il faut que ça soit ainsi. C'est vrai, frère. Élie est venu, Élie a déposé tout ce que le Seigneur mis à ses mains pour nous. Élie a, frère, Élie n'a pas décidé de lui-même d'enregistrer ou de garder ou de conserver ou d'emmagasiner. Élie n'a pas décidé ça. Hein. Il lui a été donné, il lui a été ordonné d'emmagasiner la nourriture. Pour vous et pour moi. C'était bien emmagasiné. C'est vrai. C'est pour ça que Frère Franck a un témoignage là. Il dit bien que ce que lui a été dit là, quand Frère Branham confirmait ça, il lui a dit la nourriture que tu dois emmagasiner, que tu dois distribuer,
Ce sont les prédications qui sont enregistrées sur les bandes magnétiques. C'est pas ce qu'il a dit le même. C'est pas ce qu'il a écrit. Ces prédications enregistrées sur les bandes magnétiques là, vous ne sont pas parvenus. Ceux qui peuvent nous parvenir, nous sont parvenus. Pourquoi? Pourquoi on soit nourri? Frère, ce que vous mangez là, c'est ça qui vous fait grandir. Ça vous donne la maladie ou la santé? Si vous mangez ce qui est bien, vous êtes en bonne santé. Si vous mangez ce qui est mauvais, vous êtes malade. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Lui-même l'a préparé le repas qu'il a fait garder pour que vous le mangez autant convenable. Amen. Et cela vous est parvenu. Soit doit produire en vous la vie. Amen. La vie qui est dans cette nourriture-là doit apparaître, doit transparaître. Si vous mangez cette nourriture-là, elle doit donner la vie à chaque membre de votre corps. Amen. D'abord à votre esprit et à votre âme. Cette nourriture-là, c'est notre esprit et notre âme. C'est une nourriture qui a été mise de côté. C'est préparer notre âme. Le corps, c'est vrai, il peut devenir poussière. Mais s'il devient poussière, il y a un autre qui t'attend. S'il devient poussière, mais frère, ce corps ne pourra pas monter. Vous savez bien qu'il va être transformé. Il ne pourra pas monter. Donc la nourriture, ce n'est pas pour celui-là. C'est pour celui qui est dedans. Comme je vous ai dit, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Aladé, ce n'est pas le noir qui est assis là avec un visage beau que Béatrice a vu. Il a dit, mais ça peut me convenir. Hein? C'est ce qui est dedans là. Qui peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Quand il est animé par l'Esprit de Dieu, il va agir comme Dieu. Il va marcher comme Dieu. Il va parler comme Dieu. Il va aimer comme Dieu. Oui. Quand Dieu est dedans, là, frère, tu ne peux pas faire rien d'autre que ce que Dieu est. Si Dieu est dedans, tu parleras comme Dieu. Tu vivras comme Dieu. Tu aimeras comme Dieu. Tu agiras comme Dieu. Tu feras les miracles comme Dieu. Oui. Au point où celui qui te connaissait va dire, mais attends, regarde bien le Seigneur Jésus qui a dit, mais c'est pas le fils du charpentier là. Ce n'est pas la fille de Marie. D'où lui vient tout ça? On le connaissait comme le fils de Joseph, le charpentier. Ses frères et ses soeurs sont-ils au milieu de nous? Ses frères et ses soeurs au milieu d'eux? Mais ce qui se passe en lui là, Dieu étant dedans, on ne le connaît plus. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit, désormais, nous ne connaissons plus personne sur la chair. Je ne peux connaître à l'adé comme à l'adé sur la chair. Non, non, non. Je dois le connaître comme selon l'esprit qui l'anime. Alors, c'est pour ça que, frère, ceux qui sont encore attachés à leur origine ethnique, ils ne sont pas encore convertis. Ça va vous choquer, mais je vais vous le dire. Vous êtes étrangers et voyageurs ici-bas. Votre patrie n'est pas ici. Vous êtes des étrangers ici. Où se trouve votre cité? Vous chantez ça. Hein? Vous chantez Ville et Père de Lumière. Vous chantez tout ça, non? Mais si vous n'appartenez pas à ça, restez accrochés à vos groupes ethniques, à vos traditions. Vous n'êtes pas ivoirien, vous n'êtes pas congolais. Les vrais enfants de Dieu ne sont pas congolais, ne sont pas ivoiriens. Ils sont chrétiens, ils sont fils. Frère, est-ce notre Dieu là, il est en Côte d'Ivoire ici? Il est en Côte d'Ivoire ici? C'est ça, Patrick? Ah. J'ai compris ce que tu as dit, tu as répondu. Mais tu n'as pas compris la question que j'ai posée. Il est en Côte d'Ivoire. Mais il n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allons dans Jean 17. Si je ne me trompe pas. Où est-ce que ça se trouve là? Dans Jean 17, il faut que je retrouve ça pour vous tout de suite.
Verset 14, non? Merci, frère. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Lui dit n'est pas du monde. Notre maître n'est pas du monde. Donc nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du tout. Alors nous sommes d'où alors? Je ne suis pas de la Côte d'Ivoire. J'habite en Côte d'Ivoire. Temporairement. Me préparant pour aller dans ma patrie. Amen. Tu n'es pas de la Côte d'Ivoire. Tu habites en Côte d'Ivoire temporairement. Dans l'attente d'aller dans ta patrie. Dieu t'a fait naître ici pour te préparer pour que tu rejoignes ta maison. Mais pour que tu y ailles, il faut d'abord que tu montres où est ton origine. Ton origine est où? Ce qui fait que, frère, vous savez, avant, au message là, personne ne se préoccupait de l'ethnie de quelqu'un. Personne. Moi, je connais des gens qui sont venus de chez moi. Je ne les connaissais même pas. Jusqu'à ce qu'ils viennent se présenter à moi. Je dis, ah, que Dieu te bénisse. Mais pas après, je me suis occupé de ça. Ça ne m'intéresse guère. Tu peux être de la même région que moi. Demain, tu peux quitter. C'est faux? Dites-moi. Quand les Paul, quand les Pierre, les Jean, on dit, mais ils sont tous galiléens. Jude était où aussi? Il devait être galiléen. Mais il a été un démon au milieu d'eux. Ce n'est pas beaucoup de disciples qui étaient galiléens, mais ils ont fui après. Frère, oubliez votre tradition. Que votre tradition ne domine pas sur vous. Parce que sinon, Dieu ne peut pas dominer sur vous. Si votre tradition règne sur vous, Dieu ne peut pas le faire à la place de votre tradition. Mais quand vous allez abandonner votre tradition, alors Dieu pourra prendre le règne sur vous. C'est vrai. Vous savez que chaque pays a un esprit. Chaque nation a un esprit. Si vous restez dans cette nation, vous aurez l'esprit qui est dans la nation. Sortez de là et l'esprit qui est dans la nation ne vous influencera pas. De même, chaque groupe ethnique a un esprit. Donc si vous restez dans votre atapia ça là, moi je suis ici, moi je suis comme ça, nous sommes comme ça, on est où? C'est pour ça que vous êtes là, vous ne serez jamais chrétien. Comment vous pouvez prétendre être chrétien quand vous êtes comme ça, vous êtes dans votre tradition? Soyez comme ça dans votre groupe ethnique. Dans votre tradition, soyez comme ça. Christ n'a pas besoin de ça. Il a besoin des gens qui peuvent sortir pour s'attacher à lui, pour faire un corps avec lui. Frère, quand tu fais un corps avec Christ, Christ appartient à quoi? Il appartient à ton groupe ethnique? Non. Il n'appartient à aucun groupe ethnique. Lequel il va prendre? C'est tellement diversifié dans le monde. Il y a les Indiens, il y a les Amérindiens, il y a les Chinois, il y a les Japonais. Je me trompe? Non. Il y a les Allemands, il y a les Français, il y a les Anglais, il y a des Belges, il y a des Suisses. Il y en a tellement. Lequel il va prendre? Il est au milieu, là, il est là. Ceux qui ne sont pas de toi, ils viennent à lui. Ils viennent à lui, ils viennent à lui, ils forment un seul corps en lui. En lui, on forme un seul corps, pas deux. On a la même pensée, on a les mêmes sentiments, on a les mêmes manières de voir, on a les mêmes désirs. On est d'accord? Que Dieu nous bénisse. Levons-nous à prier.
crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Notre Père céleste. Oui, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tu n'as pas changé. Ce que tu étais hier, tu l'es encore aujourd'hui. Et tu le seras encore demain. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Et tu peux le faire encore aujourd'hui, comme tu le feras aussi demain. C'est pour ça que, Seigneur, nous sommes là ce matin devant ta face. Pour rappeler à toi tes promesses. Tu as dit, le message vient. Pour faire des élus, pour envoyer des hommes et des femmes à avoir la même foi que les apôtres, à retenir à la parole qu'ils avaient, à voir les manifestations qu'ils avaient. Oh, c'est pour ça que tu as dit que voilà les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Seigneur, ce matin, nous sommes à toi. Nous crions à toi afin que nos misères disparaissent complètement. Toi seul peux le faire. Ôte la misère au milieu de nous. Seigneur, ôte la misère. Tu as dit, vous êtes misérables, aveugles, pauvres, nul, vous ne le savez pas. Venez à moi pour acheter un colis. Oh, pour un de vos affaires, vous voyez. Achetez de moi de l'or pur. Pourquoi soyez riche? Père, mais depuis longtemps, nous avons entendu ces choses. Même l'invitation que tu as lancée, nous l'avons entendue. Mais nous sommes restés collés à nos chaises, collés à nos lits, collés, Seigneur Père Tout-Puissant, à terre. Nous ne sommes jamais venus pour que tu fasses ce que tu as promis à nous. Ce matin, nous sommes à toi. Regarde notre misère, Père. Nous sommes trop miséreux. Il y a trop de misère au milieu de nous. Il y a beaucoup de malades au milieu de nous. Il y a beaucoup de faibles au milieu de nous. Père céleste, en nous criant à toi, que tu te souviens de nous. Il y a beaucoup d'incroyants au milieu de nous. C'est vrai. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup sont là, mais ne croient pas. Il ne peut pas saisir les promesses que tu as faites. Or, ce matin, nous venons seulement pour dire, Père, sois miséricordieux envers nous. Ce dont nous avons besoin, c'est ta bonté, c'est ta compassion. Rien d'autre que cela. Nous ne voulons pas, Seigneur, la justice. Oh, Père Tout-Puissant, regarde-nous tels que nous sommes. Purifie-nous, lave-nous, blanchis-nous et fais de nous des fils à la gloire de ton, des filles à ta ressemblance. Or, tu pourrais dire, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Seigneur, fais de nous, oh, des hommes semblables à Dieu, qui est l'image de Dieu en eux. Nous voulons être l'image et l'empreinte de Jésus-Christ. Père, afin que nous ne fassions rien d'autre que ce que tu as prévu. Nous ne faisons rien d'autre que ce que tu as décidé. Nous ne faisons rien d'autre que ce que tu as promis, Seigneur Jésus. Aide-nous. Aide-nous à changer de nature, à changer de comportement, à changer de vie. Nous voulons être capables de dire avec l'apôtre Paul, si nous vivons, c'est plus nous désormais. C'est toi qui vis à nous. C'est ton esprit qui marche avec nous. C'est ton esprit qui vit à nous. Seigneur, tu as dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Et c'est vrai. Nous l'observons.
Nous le voyons. Et voilà pourquoi nous crions ce matin à toi pour dire, Seigneur, fais de nous une partie de Christ. Rends mon frère, rends ma soeur une partie de Christ. Ô notre Dieu, que nous sommes dans le corps de Christ, afin désormais il n'y a pas d'effort à faire, d'effort inutile à faire. Que toi-même tu nous pousses et que nous marchons. Tu nous tires par la main et nous allons simplement. Non pas que nous allons où nous voulons, non, point du tout, mais que tu nous mènes là où tu veux. Ô notre Dieu, souviens-toi de tes promesses. Tu as promis, tu le feras. Tout à l'heure, tu as dit, nous ne sommes pas du monde et nous ne voulons pas appartenir au monde. Nous ne voulons pas appartenir à un groupe ethnique. Nous voulons appartenir au Dieu Tout-Puissant. Père, sanctifie-nous. Purifie-nous. Lave-nous. Sanctifie-nous. Élève-nous, Père. Oh, notre Père. La Bible ne dit pas que même la femme s'est accouchée cette fois. N'est-ce pas de toi que vient la mort? N'est-ce pas de toi que vient la vie? Et même, Seigneur, l'indigent, tu le sors du fumier pour le faire asseoir les grands. Notre Père Céleste, ce soir, ce matin-là, nous sommes à toi. Fais de nous de vrais disciples de Christ, des hommes et des femmes nés de nouveau, remplis de l'esprit, revêtus de la puissance en haut, allant ici et là pour proclamer, Père Tout-Puissant, les grandeurs de notre Dieu. Oui, Seigneur Jésus, aide-nous. Consacre-nous à toi. Ce matin, nous voulons consacrer notre vie, te consacrer notre vie, te consacrer notre être entier, nous consacrer à part entière à toi seul, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous. Nous comptons sur toi. Nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Oh, mes frères s'attendent à toi. Mes soeurs s'attendent à toi. Ces petits enfants qui sont là s'attendent à toi. Seigneur, nous voulons tous nous attendre à toi. Fais ce que tu as promis. Autant des apôtres que tu as accomplis, accomplis ça aussi, Seigneur Jésus. Oh, on connaissait Pierre et Jean et les autres comme étant des hommes du peuple, n'ayant jamais eu une instruction particulière. Mais on les connaissait pour avoir marché avec toi. Parce qu'ils pouvaient parler avec assurance. Oh, il y avait une assurance au milieu d'eux. Une vraie assurance dans leur vie. Père, ils avaient une assurance forte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connus par le Saint-Esprit. Ils sont là, ils étaient dans ta main. Et tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est ce que tu leur dis de dire. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous parlons, par nous-mêmes. Non, qu'il n'en soit plus désormais ici. Oh notre Dieu, aide-nous. Prépare-nous. Seigneur, alors que l'enlèvement n'est pas loin, nous ne voulons pas laisser l'enlèvement passer sous nos yeux. Nous ne voulons pas voir l'enlèvement passer sous nos yeux. Nous ne voulons pas laisser l'enlèvement passer sous nos yeux. Nous voulons venir à toi ce matin que nous sommes. Et que toi, tu nous prépares, Seigneur Jésus. Afin que quand la trompette sonnera, quand la voix retentira, oh, c'est comme mortel ce chant simplement, soit transformé. Oh, voyant les morts ressuscités, nous puissions être prêts pour partir avec eux dans la gloire. Oh, notre Dieu. Viens au secours, Seigneur. Les temps sont très mauvais. Le temps de Noé est là. Le temps de Lot est là, comme tu l'as promis. Toute la méchanceté de l'homme est à fleur de peau. Père Tout-Puissant, l'idolâtrie, Père Céleste, l'homosexualité, la pédophilie. Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte de cacher cela. Ils ne cachent plus ça. Ils le proclament haut et fort. Mais nous, les chrétiens, avons honte de dire que nous sommes des chrétiens. De montrer que nous sommes des chrétiens. Viens à notre secours, Seigneur Jésus. Afin que ce qui a été montré auparavant, qui s'accomplit maintenant, soit aussi de notre côté. Père, de même qu'Israël dans sa patrie, oh, prépare-nous à aller à ta rencontre. Oui, Seigneur. Conduis-nous. Soutiens-nous. Fortifie-nous. Garde-nous et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.